Precious Time, donc on va entrer en liaison téléphonique avec Alfredo Paramico qui est en ce moment à Miami. Il y a beaucoup là-bas de marchands et d'activités sur les montres de collection. Il est extrêmement intéressant en ce moment d'acheter des montres aux États-Unis puisque vous achetez une montre 100 $ et ici elle vaut 100 euros. Donc rien qu'en faisant cela, vous générez des résultats sympathiques. Donc Alfredo, c'est un peu le petit frère ou l'alter ego de Christian. C'est un profil similaire, il y a un mixte d'expérience bancaire et lui dans son domaine un fanatique de montres. Il collectionne les montres depuis qu'il est tout petit. Il est un des grands collectionneurs de ce monde, mais sa collection est bien identifiée et séparée du fond. Il connaît tous les marchands, les collectionneurs, les experts de ce monde. Il a une réputation sur ce marché. Il a, comme Christian, un réseau important de connaissances qui est extrêmement utile lorsque l'on veut acheter ou vendre. Il sait qui a acheté quoi, à quel prix, qui veut vendre ou qui veut pas vendre mais se laisserait tordre le bras. Donc, et c'est extrêmement important dans la gestion courante du fonds. On va lui au-delà d'Alfredo, il y a un comité des sages voilà, qui nous assiste dans la. On est en train d'appeler déjà? Ouais, Ouais. je sais. Un comité des sages qui nous assiste dans l'évaluation et dans le choix des objets. Quand il y a une question sur un objet, on fait appel à eux sur des objets importants, sur la valorisation, sur l'intérêt d'un objet pour le fonds. Et il y a là aussi un valorisateur externe, expert, qui, comme Laurent Violette, est un expert indépendant et reconnu sur le marché. Qui lui chaque mois aussi va valoriser le portefeuille de façon intégrale, va en plus un rôle d'authentificateur puisque chaque mois il va au Portfrancq pour authentifier tous les objets qu'on aura achetés et aucun objet ne rentre dans le fonds s'il n'a pas été authentifié par l'expert. Voilà pour rappel brièvement et on va laisser Alfredo parler du marché de l'année passée et des perspectives. On va commencer avec un numéro qui, pour moi, c'est très important. Dans le 2007, qui c'est l'année qu'elle a commencé la crise qui c'est la maison de la vente aux enchères la plus importante du monde pour les montres, a vendu pour 70 millions de dollars. Dans le 2012, jusqu'après 5 ans, et avec la crise encore, la crise a doublé le numéro et a vendu pour 140 millions de dollars. C'est donc une remarque qu'il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est que aujourd'hui, les montres de collection, les très importantes, les montres rares, les montres de qualité sont aujourd'hui vues comme des actifs refuge, c'est très important. Et la deuxième chose très importante, c'est que la valeur moyenne des montres a monté vraiment beaucoup. Il faut dire qu'on a vu dans le 2012 beaucoup de records du monde qui ont été pulvérisés. Et je me rappelle les ventes aux enchères de Christie's où à novembre à Genève, une montre de Patek Philippe en platine a été vendue pour juste 4 millions de dollars. Et une autre montre en platine, c'est la montre d'Eric Clapton, a été vendue pour 3 millions 500 000 dollars. Il faut même dire que le marché, c'est pas juste la Patek Philippe, mais c'est même la Rolex. La Christie's a vendu à New York le mois de décembre des Rolex 6236 à plus de 500 000 dollars. Le marché est très fort, même pour le monde de poche. Il faut jamais oublier que le marché des montres a commencé avec les montres de Porsche. Aujourd'hui, la valeur de la montre de poche est rentrée dans les prix de quand le marché a commencé. Precious Time, dans le 2012, a acheté beaucoup de montres Rolex sportives. Je pense que les Rolex sportifs sont aujourd'hui plus recherchés par les collectionneurs de tout le monde. On a acheté les montres que beaucoup de fois sont avec l'écrin d'origine et le certificat d'origine qui est très important.
Et en plus, il faut dire que Bichoussin a acheté, je pense, la plus belle collection de montres Omega du monde, dans laquelle il y a la collection de Speedmaster la plus importante, sont les 13 les plus rares du monde et de grande qualité. Dans le 2012, mais aussi dans le premier trimestre de 2013, Precious Time a vendu beaucoup de montres pour consolider la performance. On a vendu 92 montres, qui c'est un peu plus de 15% de la collection. On a vendu à des prix qui sont plus hauts que les prix de la valorisation. Si on va voir la location par marque, c'est normal que la Rolex et la Patek Philippe soient les plus importantes, mais les marchés, c'est pas seulement Rolex et Patek Philippe. Comme j'avais dit, Precious Time a acheté des Omega, a acheté des Cartier, a acheté des Vacheron Constantin, a acheté des Longines, des Lacoste, des Audemars Piguet. On peut faire la description d'aucune des montres les plus importantes que nous avons achetées. La plus importante, la plus rare, c'est certainement une Patek Philippe Messier, hein, qui c'est une chronographe avec la rattrapante, qui s'appelle 1436. La montre est vraiment très rare parce qu'elle était faite dans juste 3 pièces. Et ça, c'est la troisième que je connais dans le monde. Et on a acheté la montre qui n'était pas chère du tout. Et la montre aujourd'hui, c'est une montre qui c'est plus de 1 200 000 euros. Il faut dire que la deuxième montre, 1436 en acier, qui s'y connaît, a été vendue par Christie's il y a 2 semaines pour un collectionneur à plus de 1 300 000 euros. La deuxième montre, une Rolex, la Daytona de Paul Newman, ça c'est la montre que moi, j'aime dire que c'est la montre universelle, parce que c'est la montre qui est vraiment est connue dans tout le monde et tout le monde la recherche. En particulier, ça, c'est une montre en acier. La référence est celle à 6241 avec le cadran noir. Ça, c'est vraiment très rare. Et c'est aujourd'hui une montre qui va monter vraiment toujours. C'est la montre certainement la plus rare, la plus recherchée de la Rolex. Il y a une montre que je suis très content de vous présenter, qui est une montre que nous avons achetée à la fin de 2012. C'est une Rolex, la Daytona, mais c'est très important parce que c'est la montre qui a appartenu à Jean-Paul Belmondo. On a acheté la montre à Paris et c'était le fils qui l'a vendue à nous et nous avons même une lettre de Jean-Paul Belmondo et du fils qui a dit que la montre a été vendue à Precious Time. C'était la montre que Jean-Paul Belmondo avait utilisée pour tourner des films en France. Une montre exceptionnelle et je pense qu'on l'a pas payé cher, mais pas du tout. Et il y a une vente aux enchères à novembre et on a dit qu'elle peut être vendue très 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 cher. La performance, vous avez vu déjà, on a fait le 24,53% à partir de janvier de 2011. La 2013 est comme c'est un peu calme parce que c'est normal qu'on va attendre les ventes aux enchères. Mais il y a eu aujourd'hui deux très importantes manifestations. Une c'était à Miami et l'autre à Parme, en Italie. On avait vu que les montres, les raretés, les montres de qualité sont toujours très recherchées, sont toujours très très chères. Dans le 2013, la stratégie de Precious Time, je pense que ça sera comme le 2012, on va chercher les montres les plus rares, les montres qui sont de bonne qualité. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, la combinaison de la qualité et de la rareté, c'est la plus importante pour vérifier la valeur de la montre. Et donc, je pense qu'on va rechercher les montres de Rolex, de Patek Philippe, de Vacheron Constantin, qui sont en très bon état de conservation. Le marché, je pense que c'est aujourd'hui très difficile parce qu'il y a pas beaucoup de montres. C'est plus facile aujourd'hui à vendre les montres, même chères, ce sont des très belles montres, c'est vraiment très très difficile d'acheter de belles montres. J'ai vu déjà des catalogues de Christie's pour la vente des lunettes de nez et je peux dire que je suis sûr qu'il y aura beaucoup de rêves du monde parce que ce sont des montres exceptionnelles.
Le marché, je pense qu'il est vraiment très très fort pour les montres rares, pour les montres exceptionnelles, pour les montres qui sont de très bonne qualité. Et je pense que ça, c'est le trend qui va continuer pour même le 2013. Alfredo, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Merci. Ciao.